Parce que si vous écoutez vraiment le Mbolé en profondeur, vous allez comprendre que le Mbolé véhicule plusieurs messages. Je vais prendre l'exemple du grand frère Petit Bozard, au niveau du son Unité, L'unité, où il justement, chante, il peut... il demande au peuple camerounais de se réunir, d'être unis, être une personne, de ne pas se diviser. Donc le Mbolé a plusieurs messages. Donc il faut vraiment écouter le Mbolé en profondeur. D'accord. Oui, c'est On ça. regarde les Cancan Boys et puis on se retrouve juste après.
Eh bien voilà, c'était là les Cancan Boys qui signaient Tchap Tchap, et ils savent eux seuls, et avec le jeune Happy qui véritablement détient l'original. Mais nous, on s'est régalé parce qu'ils nous ont sublimé. Il faut dire que c'est un vrai chef-d'œuvre musical. Je suis ici en compagnie de deux jeunes mboleurs aussi qui ont fait le déplacement et qui sont venus partager avec nous leur quotidien, leur réalité et surtout leur passion. Alors, Mangambeu, l'araignée, Mangambeu l'araignée, c'est bien ça. Voilà. Le mbolé, vous le faites juste pour sensibiliser les gens ou bien vous le faites parce que vous l'aimez. Les messages que vous véhiculez sont lesquels? Lui, on a vu tout à l'heure, là, il dénonçait beaucoup d'états. Eux aussi, ils sont là pour dénoncer. Mais comment comprendre que cette musique qui semble être celle des voyous soit plutôt, ait plutôt des connotations très responsables? Oh, le mbolé, il a dit en vrai qu'on dit que c'est pour les voyous. Oui, Mais au fond, ce n'est pas c'est. ça. Alors, nous, on travaille aussi comme d'autres artistes. On veut aussi se faire connaître, on veut aussi de quoi manger. C'est un peu ça. D'accord. Et vous ambitionnez, n'est-ce pas, à aller loin avec. Oui, avec notre mbolé. Et cela ne se fera que si vous travaillez dur, comme vous le faites actuellement, et avec des chansons à texte, des textes qui, n'est-ce pas, touchent toutes les sensibilités de le public. D'accord. Alors, Cassis, vous, n'est-ce pas, vous semblez, vous êtes parti du rap pour le mbolé. Est-ce que dans votre prochain album, on va retrouver du rap? Puisque Exactement. Vous êtes en studio, c'est bien ça. Exactement. Moi, j'ai laissé le rap, pas totalement. Pas Vous voyez. totalement. Si vous allez même sur ma chaîne YouTube, vous allez voir des freestyle rap que moi j'ai fait. Oui, j'en ai vu. Il y a des freestyle rap que je fais. Chaque lundi, je publie sur ma chaîne YouTube des freestyle rap. Et pour le public, moi je les offre des sons volés. Mais sur ma chaîne, pour mes fans Dans quel registre vous sentez-vous le plus le mieux? Le rap ou mbolé? Bon, je vais dire les deux, mais il faut choisir un. Moi, c'est le mbolé. Donc c'est le mbolé qui a, n'est-ce pas, vos sentiments qui, n'est-ce pas, vibre en vous, c'est votre Exactement, passion. exactement. Vous êtes découvert mboléeur par la suite. Par la suite, exactement. D'accord, le mbolé qui s'exporte d'ailleurs très bien. La preuve, même des artistes ivoiriens le reprennent déjà encore. Je pense ici à Fanico qui, n'est-ce pas, qui s'est essayé, et très bien même. Alex, est-ce qu'on peut avoir Fanico dans Qui t'a dit ça? On se régale et on se retrouve juste après. Qui t'a dit ça? Dès que vous sortez vos clips, vous me faites signe. Chaque fois que vous avez des vidéos, vous me faites signe. Allez, vous venez en balance. Alex, je ne retrouve pas ça sur Facebook, dans mon Facebook. Qui a coupé? Parce que je ne retrouve pas ça ici.